salut à tous, aujourd'hui c'est frites au cheddar, de façon très très simple et rapide. Pour ça on a besoin de 2 pommes de terre, 2 cheddar râpés, 2 tranches de bacon et 2 crèmes liquides, c'est mieux. Pour commencer, on vient tout simplement éplucher nos pommes de terre. Une fois que c'est fait, on vient les découper en forme de frites. Chacun sa technique, plus grosse, plus fine, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Une fois qu'elles sont coupées, je les mets vite dans de l'eau pour retirer l'amidon et surtout pour éviter qu'elles noircissent. J'ai essoré mes frites et les ai mises dans la friteuse tout simplement et en attendant je fais revenir un peu mon bacon à la poêle tout simplement sans matière grasse, évidemment ça rend déjà assez de graisse comme ça et voilà on essaie de les faire griller un peu. Une fois que c'est fait je viens tout simplement grâce à ma pince les récupérer et les mettre dans une assiette. Ensuite, je viens les découper en tout petits morceaux, grossièrement, hein, c'est vraiment pour qu'il puisse y en avoir un peu partout dans notre plat. Mes frites sont prêtes, maintenant je les mets dans un plat qui va au four. Ensuite, je viens bien touiller ma crème parce que je n'avais pas de crème liquide, mais la crème liquide c'est franchement mieux. Et j'en mets un peu partout. Après, honnêtement, si vous n'avez pas de crème liquide comme moi, ça fera le job tout à fait. C'est juste un peu plus... moins diffus, on va dire, dans le plat. Une fois que j'en ai mis un peu partout, je viens mettre du sel, puis du poivre. Maintenant, on y va généreusement sur le cheddar râpé. Donc moi, c'est du cheddar râpé du commerce, mais si vous prenez du vrai cheddar, ça fera très très bien l'affaire. Ça sera vraiment très très bon également. Toujours plus de cheddar. Je remets un tout petit peu de crème. Et ensuite, le bacon. Je mets le plat au four qui était préchauffé à 180 degrés pendant à peu près 10 minutes. Et voici le résultat, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très vite, bye!